Viens prendre ma charge. And everything we are going to do this morning, we give you all the glory. Nous toute la gloire. We thank you, Jesus. Nous for your love, for your grace, for your favor. Thank you for qualifying us. We give you all the glory. Nous devons toute la gloire. Jesus, pour Jésus, nous avons prié. Thank you for Jesus. We want to welcome you. Encore une fois, on veut vous souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Today's our Thanksgiving service. Aujourd'hui, c'est notre culte d'action de grâce. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. Nous voulons particulièrement remercier Dieu pour la vie des choristes. All the workers that are present. Pour les choristes qui sont présents. All the workers that are present. L'école de dimanche sera finie par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Now I personally take the
on the school class. C'est pourquoi je prends particulièrement l'école de dimanche. Amen. Amen. To establish a new system. Pour pouvoir établir un nouveau système. To establish a new program. Pour établir un nouveau programme. Praise the name of Jesus. Parole du nom Jésus. Amen. Amen. And the message. Et le message. Amen. Amen. Is not going to pass 45 minutes. Ne va pas dépasser 44 minutes. 45 minutes. Please, we are begging the usher. Nous supplions les serviteurs. Amen. Amen. To help us. De nous aider. Normalement, on monte autant à Dieu. Normalement, quand on vient sur l'autel. Amen. Amen. The usher is supposed to give us our time. Le service d'ordre doit nous donner le temps. So that we will be aware of our time. Pour qu'on puisse être au courant de notre temps. Amen. You have to help us. It's not easy. Vous devez nous aider pour suivre le temps. Sometimes we are under the anointing. Il y a des fois là, nous sommes sous l'onction. Amen. Amen. And sometimes we don't even look up to know the time. Et à la fois, on n'a pas le temps de regarder l'heure pour savoir quelle heure il est. It's true, there's time before us. C'est vrai que l'heure est en face de nous. Amen. Amen. But when we want the altar like this, mais une fois qu'on monte sur l'autel, as the usher, en tant que service d'ordre, give us our time directly. Vous devez directement nous donner le temps. Put it in our hand and put it in front of ourselves. Mettez soit dans notre main ou en face de nous. Amen. Amen. Then we know that we have 40 minutes for Sunday school. Et on saura qu'on a 40 minutes pour l'école de dimanche. Amen. When the message comes, et quand the message time, le message arrive, we have 45 minutes. Nous avons 40 minutes. Amen. Amen. Our people are complaining. Notre peuple se plaint. And we are here because of them. Et nous sommes là à cause d'eux. So because of you, we have adjusted the time. Donc à cause de vous, on essaie d'ajuster le temps. Amen. And I want to throw this announcement particularly. Et je vais donner particulièrement cette annonce. To every department. À tous les départements, au colis, dès qu'on vous donne le signe que vous devez arrêter, amen, please respect the time. Je vous en prie, respectez le temps. We always depend. Nous fermons tous le temps. And we put it on the head of the pastor all the time. Et on met tout sur la tête du pasteur. No problem. I receive it in Jesus' name. Ce n'est pas un problème, je l'accepte au nom de Jésus. And we are begging you, mais je vous en supplie, amen, amen, to forgive us. Pardonnez-nous. We are all, that's all we can say. C'est tout ce qu'on peut dire. Amen. Amen. Just forgive us. Pardonnez-nous. For the time that we have wasted. Pour le temps que nous avons perdu. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. We know. Nous savons. We are going to make it up to you. Que nous avons la loi qui But we are counting on our usher. Mais nous comptons sur notre service d'ordre. Usher, bring my time for me. I don't even know my time. Service d'ordre, apportez-moi mon temps. Je ne sais même pas quel est le temps. I don't know the time I speak. I don't know the time I'm going to stop. Je ne sais même pas à quelle heure je suis monté sur l'autel et je ne sais pas à quelle heure je vais finir. I said it's 40 minutes on the school. Je vous ai dit que l'école de dimanche est en 40 minutes. Amen. Message is 45 minutes. Le message est en 40 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Amen. Amen. So we have changed everything. Donc nous avons tout changé. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. Service d'ordre, give me my time. Service d'ordre, j'ai besoin du temps. Bring my time. Let us do this officially. Apportez mon temps, qu'on fasse les choses officiellement. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est 5 minutes. Amen. Amen. So the school is 9 o'clock. It's 5 minutes after 9, right? L'école de dimanche, c'est à 9h et il est. Amen. It's 5 minutes after 9. Il est 9h05. Amen. Amen. This morning we are going to study from our prophetic school. Ce matin, nous avons étudié dans notre livre prophétique. I'm at school 95. Le chapitre. School 95. 95. God bless you, sir. Le chapitre 95. School 95. Le chapitre 95. Paragraph 4. Paragraph 4. It's just a short message. C'est juste un message pour. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. The 10 virgin. Les 10 vierges. The 10 virgin parable. La parabole des 10 vierges. Yeah. Is you see it, sir? This is. Est-ce que vous avez vu? This is. Amen. Our school is very rich. Notre livre est très riche. Our scope, our prophetic scope is very rich. Notre livre prophétique est très riche. Amen. We want to encourage you. Nous voulons vous encourager. Amen. Read your book in your house. Lisez votre livre prophétique à la maison. Sometimes. Certaines fois. I take weeks to read this book.
Je prends tout un week-end pour lire ce livre. Amen. Amen. All the week. Toute la semaine. Amen. Amen. Do the same thing too. There's a lot of revelation. Faites la même chose. Il y a de nombreuses révélations dans ce livre. The more you read the prophetic scroll, plus vous lisez le livre prophétique, the more the Lord opens your prophetic eyes. Plus le Seigneur ouvre vos yeux prophétiques. There's a pastor I give this scroll to. Il y a le pasteur qui j'ai donné ce livre prophétique. He was not a member of this church. Il n'était pas membre de cette église. He's not a member of this church. Il n'était pas membre de cette église. And I give him some books and some CDs. Je leur ai donné certains livres et certains CD. Amen. Amen. And when they begin to read, et quand ils ont commencé à lire, he came to me. Ils sont venus me voir. Said, as I'm reading these books, ils ont dit, pendant que je lis ce livre, the anointing of prophet begin to fall upon me. L'onction de prophétie commence à tomber sur moi. Amen. Amen. Except for you to run around other churches. Au lieu de courir d'église en église, to look for prophets, pour chercher le prophète, we have the mantle in our hand. Nous avons un manteau entre les mains. We have the mantle in our hand. Nous avons un manteau entre les mains. If you read the prophetic scroll, si vous lisez votre livre prophétique, the anointing of prophet, l'onction de prophète, of prophetess, ou de prophétesse, will really fall upon your life. Va volontairement tomber sur vos yeux. Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au nom de Jésus. We are studying the book. We are studying the ten virgin parable. Nous étudions la parabole des dix vierges. Now turn it over to the book of Matthew 25. Maintenant, prends la Bible dans le livre de Matthieu 25. Matthew 25, 1 to 13. 1 à 13. 1 à 13. Matthieu 25. Oui, maman. 1 à 13. Oui, maman. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à Dieu. Qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tout s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il dit, on n'aurait pas assez pour vous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans sa salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. Now, this is the story of the tenth virgin. Ça, c'est l'histoire des dix vierges. Osha, please, I need to share back very good in the back there, please. Service, donc, s'il vous plaît, arrangez bien les chaises derrière. Amen. Amen. This is the story of the tenth virgin. Il s'agit de l'histoire des dix vierges. Amen. Amen. Praise God again, Jesus. Gloire au nom de Jésus. The prophet said, le prophète a dit, receiving only those who are ready in that. Recevez seulement ces écrits. Receiving those that they are ready alone, that they are full with the word and the anointing. Recevez seulement ceux qui sont remplis des écrits et de l'onction. God is going to receive only those people that they are ready for Him. Dieu va seulement recevoir ceux qui sont prêts pour lui. And those that they are filled with the word of God. Et ceux qui sont remplis de la parole de Dieu. And the anointing of God. Et de l'onction de Dieu. Ça va? Amen. Now let us go to the book of Joshua.
Allons-y dans le livre de Joël 2:16. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les frissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Amen. 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 Okay, if you have testimony, please go and see the usher at the back. Si vous avez un témoignage, allez voir le service d'ordre. Le pasteur Kessy va prendre les témoignages et les contrôler si vous pouvez faire. Testimony we don't want it. Tout ce qui n'est pas témoignage, nous n'en voulons pas. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au Dieu Jésus. Amen. Amen. The book of Joel 2:16 said. Le livre de Joël 2:16 dit. It said, we have to gather the saints, those that they are virgins. Que nous devons réunir les saints, ceux qui sont vierges. And we have talked about this message before in this altar. Nous avons déjà parlé de ce message sur ce hôtel. The Bible said there's 10 virgins. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges. 5 was wise. 5 étaient sages. 5 was stupid. Et 5 étaient folles. Amen. Amen. I told you those virgins. Et je vous ai dit que ces vierges are the church of God. Sont l'église de Dieu. Amen. They are the church of God. Elles sont l'église de Dieu. That believe in the word of God. Qui croient dans la parole de Dieu. And the anointing of God. Et à l'onction de Dieu. And they are church of God. Et l'église de Dieu. That don't have the word of God to offer. Qui n'a pas la parole de Dieu à offrir. Gloire au divin Jésus. Amen. Amen. Gloire au divin Jésus. And the Holy Spirit. Et je vous ai dit que l'huile représentait le Saint-Esprit. Gloire au divin Jésus. And the light represents the word of God. Et la lumière représentait la parole de Dieu. Gloire au divin Jésus. Amen. Amen. Now let us go to the book of Joel 2:11. Allons-y dans le livre de Joël 2:11. L'exécuteur de sa parole est puissant, car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Amen. Il dit, God hear their cry, and the day of the Lord is great. Who can stand the day of the Lord? Dieu entend les pleurs et le jour du Seigneur est grand. Qui peut tenir devant le Seigneur? Amen. Amen. And our prophet revealed here. Notre prophète a révélé ici. He said the bridegroom. Il a dit que la percée. The bridegroom. Le marié. They are going forth. Vont devant. Amen. Amen. They are going forth of this chapter. Vont devant ce chapitre. Praise the living Jesus. Gloire au Dieu Jésus. And they are close to the bride. Et sont près de la proche de la mariée. Praise the living Jesus. Gloire au Dieu Jésus. The Lord should appear. Le Seigneur doit apparaître. His voice before his army. Sa voix doit se faire entendre avant son armée. His voice before the army. Devant son armée. Praise the Lord Jesus. For his camp is very great. Parce que son camp est très grand. For his excellent word. Pour son excellente œuvre. For the day of the Lord. Pour le jour du Seigneur. Is going to be terrible. Ce sera terrible. That's the book of Joel. Ça, c'est le livre de Joël. Joël 2:11. Joël 2:11. The Bible said. La Bible déclare. That the day of the Lord. Que le jour du Seigneur. Is going to be terrible. Sera terrible. Many is going to be disappointed that day. Plusieurs seront déçus ce jour. Praise the Lord Jesus. Just like the 10 virgins. Juste comme les 10 vierges. They have lamp. Il y avait des lampes. They have the Bible. Il y avait la Bible. But you don't have the Holy Spirit. The oil is the Holy Spirit. Lui représente le Saint-Esprit. If you read the book of Matthew 24. Si tu lis le livre de Matthieu 24. From 1 to the end. De 1 à la fin. You begin to see that the prophecy of Jesus. Tu verras que la prophétie de Jésus. We are living it by this day. Nous sommes déjà en train de la vivre aujourd'hui.
They came to Jesus one day. Ils sont venus à Jésus un jour. The disciples of Jesus. Les disciples de Jésus. They said Jesus. Ils ont dit Jésus. Tell us when the war is going to end. Dites-nous quand le monde va finir. Jésus. Tell us when the war is going to end. Dites-nous quand ça sera la fin du monde. Amen. Amen. And Jesus told them. Et Jésus leur a dit. He said the end is yet to come. Que la fin est sur le point de venir. He said, but when the end is going to come, mais quand la fin viendra, this is the sign you are going to use to know. Voilà les signes que vous allez utiliser pour savoir. Is a nation will be fighting against nation. Une nation s'élèvera contre une nation. Homosexual will be something of publicity in the world. L'homosexualité sera un truc public dans le monde. Sin will not. See, people will not be scared of sin anymore. Les gens n'auront plus peur du péché. Amen. Amen. It's a terrible thing that they are happening in the world. Il dit des choses terribles seront en train d'arriver dans le monde. Praise the Lord Jesus. He said, but the yet is not yet come. Mais le temps n'est pas encore arrivé. La fin n'est pas encore arrivée. It's not yet come. La fin n'est pas encore arrivée. But he said something that scared me there. Il a dit quelque chose qui m'a effrayé. This is the beginning of sorrow. Mais il a dit que ça, c'est le début de la tristesse. Lisez le livre de Matthieu. Matthieu 24, tout le chapitre. Is it this is the beginning of sorrow. Il dit que ça sera juste le début de la tristesse. La revue de Jésus. So that is what we are seeing today. Ce qui veut dire ce qu'on voit aujourd'hui. Things, eh? Nous disons que nous voyons les choses. We are saying that the earth is or there's problem, or there's this. Nous disons que la terre est corrompue, il y a ceci, il y a cela, il y a des problèmes. Jésus nous dit. He said this is very small. Que ça c'est petit. Compare the things that is about to happen. À côté des choses qui sont sur le point d'arriver. Ça va? Ça va? He said it's the beginning of what? Sorrow. Il dit que c'est le début de la tristesse. But he said, you that know God. Mais il dit, toi qui connais Dieu. He said, don't be afraid. Ne sois pas effrayé. Amen. He said, you that know God. Il dit, toi qui connais Dieu. You that are like the wise virgin. Toi qui es comme les vierges sages. That have your Bible. Qui a ta Bible. That have the Holy Spirit. Qui a le Saint-Esprit. And you are standing in the door. Et qui t'assoit sur le, t'arrête sur le toit. Toi. When you go to tu t'arrêtes sur la tour. Sur la tour. One. That's it. When you go to France Cap, you see there's one military man up. Quand tu vas à l'ambassade de France, tu vois hier. Quand tu vas au 33e pirat, il y a un militaire qui est tout à fait en haut sur une tour. Amen. Amen. He's watching. Et il surveille tout. As soon as he notices anything, dès qu'il remarque quelque chose, il oublie l'alarme. Il commence à se mettre en alerte. Amen. Amen. As soon as he notices anything, dès qu'il remarque quelque chose, il oublie l'alarme. Il alerte. Then everybody will wake up. Et tout le monde se réveille. Praise the Lord Jesus. Gloire à Dieu, Jésus. So, they don't. I mean, if you go to the military camp, c'est quoi je veux dire quand tu vas au dans les camps, militaires. You go to the military camp. Quand tu vas dans le camp militaire, you will see a military man standing 24 hours. Tu vas voir un militaire arrêté 24 heures. Is there watching everything that's going on? Et il surveille toutes choses qui se passent. In case there's anything. Et quand il y a quelque chose, au cas où il y a quelque chose, he will alert everybody. Il alerte tout le monde. That is the way God wants us to be vigilant. C'est comme ça que Dieu veut que nous soyons vigilants. As a Christian, you don't supposed to sleep. En tant que chrétien, tu ne dois pas dormir. We are in the end time now. Nous sommes dans la fin des temps. Amen. Amen. And everything that the Antichrist needs. Et tout ce dont l'Antichrist a besoin. To accomplish their goal. Pour accomplir leurs œuvres. They have established it already. Ils ont déjà tout établi. Jesus said. Jésus a dit. He said, that is the beginning of sorrow. Que ce n'est que le début de la tristesse. Ça va? Amen. Amen. Praise the living Jesus. Gloire au vivant Jésus. Amen. Amen. The more communication are going very good. Plus la communication se porte bien. The more evil are increasing in the world. Plus le mal s'agrandit dans le monde. Ça va? Amen. Amen. But the Bible says you should watch out. Mais la Bible dit d'être éveillé. So that you're not being victim.
pour ne pas que vous soyez victime. Normalement, le Seigneur me dit quelque chose. Amen. Amen. The Lord is telling you something. Le Seigneur me dit quelque chose. There's some things that the Lord showed me. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré. Amen. Amen. Years ago. Des années plus tard. In Revelation. En révélation. That I still never get the meaning up to today. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore le sens de cette révélation. And I still never have the courage to explain it to anybody. Je n'ai pas encore le courage d'expliquer cela à quelqu'un. Because it's too deep and it's too profound. Parce que c'est si profond. Amen. I'm still waiting upon the Lord to answer and to give me the meaning of that revelation. Je continue d'attendre que Dieu me donne la réponse et le sens de cette révélation. Amen. Amen. For each time I ask God question concerning that revelation. Mais à chaque fois que je pose une question à Dieu concernant cette révélation. You show me, I don't understand, I want to know. Quand je dis cette chose que tu m'as montré, je ne la comprends pas, je veux la comprendre. The only answer I receive in my spirit. La seule réponse que je reçois dans mon esprit. Is this. C'est cela. That today. Aujourd'hui. Death doesn't mean anything to the world. La mort ne signifie plus rien pour les gens dans le monde. When somebody died today. Quand quelqu'un meurt aujourd'hui. Life continues. La vie continue. We don't even have time anymore. On n'a même plus le temps. But before. Mais avant, in the days of our father, au temps de le père, in the days of our mother, au temps de le mère, when they lost somebody, lorsqu'ils perdaient quelqu'un, is the time for them to sit and reflect and think. C'était un temps de s'asseoir pour réfléchir. I can remember one day, et je peux me rappeler qu'un jour, my mother told me, ma mère m'a dit, I asked my mother, je demandais à ma mère, as if why if somebody die, pourquoi quand quelqu'un meurt, you people will be crying, vous pleurez. And she said, you asked a good question. Elle a dit, tu as posé une bonne question. He said, we are not crying because of the person that is dead. Elle ne le pleure pas à cause de la personne qui est morte. I said, now, why are you crying then? Donc j'ai dit, vous pleurez pourquoi? He said, we are crying. Elle dit, on pleure. For herself. Pour nous-mêmes. And when she told me that thing, I was scared. Et quand elle m'a dit cela, j'ai eu peur. I said, mom, why would you be crying for yourself? J'ai dit, mais maman, pourquoi est-ce que tu pleures pour toi-même? He said, a day will come like this. Elle dit, un jour viendra de cette façon. When everybody. Où tout le monde. Must answer the call of God. Va devoir répondre à l'appel de Dieu. And what you do, et ce que tu fais, amen, amen, has a record in heaven. Aura une récompense au ciel. So say, each time that somebody die, donc à chaque fois que quelqu'un meurt, it's like God is giving them a signal. C'est comme si Dieu leur donnait un signe. A signal. Un signal. A signal. Un signal. Get ready. Sois prêt. For the coming of Christ. Pour l'arrivée du Christ. But today we don't have that. We don't have that zeal anymore. Mais aujourd'hui on n'a plus cette vue. We don't have that understanding. On n'a plus cette compréhension. When somebody dies, you die and we continue. Lorsque quelqu'un meurt, il est mort et on continue de vivre. The next minute we start to look for rice and drink. Et la seconde vision commence à chercher la boisson du riz. Look for rice, à chercher. Commence à chercher de la tique et du poulet. Il est mort, il est parti, on va faire notre vie. But they continue. Amen. Amen. We don't have time anymore. Nous n'avons plus le temps. To understand. Pour comprendre. The message that God is sending to us. Le message que Dieu nous envoie. For those people of the old. Mais les personnes anciennes. Our father, our mother. Nos pères, nos mères. They have time. Ont le temps. Amen. Amen. To understand. Pour comprendre. The message God is sending. Le message que Dieu dit. A young man shared a testimony with me yesterday. Un jeune homme a partagé un témoignage avec moi hier. I laughed. Et j'ai ri, j'ai ri. Amen. Amen. Is it pastor, you will not believe. Il dit, pasteur, tu ne vas pas me croire. Two of my nephews. Deux de mes neveux. They are baby. Ils sont bébés. They told their mother. Ils ont dit à leur maman. They said they are going to a boisseau. Qu'ils s'en vont à boisseau. And they are going to Korogo. Et ils sont allés à Korogo. They said they want to go and do charm for money. Et ils disent qu'ils veulent aller faire du maraboutage pour l'argent. And they enter the bush. Et ils sont entrés dans la forêt. They begin to look for charm for money. Ils ont commencé à chercher des maraboutages, des médicaments pour l'argent. They said they are baby. Et ils disent qu'ils sont bébés. He said, but look at me here. Il dit, mais regarde-moi ici. I'm working. Je travaille. But this boy, they are baby. Mais ces garçons, ce sont des bébés. My sister, kids. Les papas de ma soeur. They are looking for chance for money at this age. Ils sont en train de chercher des médicaments pour l'argent à ce âge. Et quand ils sont arrivés à Korogo, they begin to tear the forest.
Ils ont commencé à traverser la forêt. And one old man saw them. Et un vieil homme les a vus. Et il a dit, où est-ce que vous allez? Ils ont dit, the old man should show them where they have used charm for money. Que le vieux doit leur montrer où on fait les médicaments pour l'argent. And the old man blagued them. Et le vieil homme les a blagués. Il a demandé, est-ce que vos parents savent que vous voulez faire des maraboutages pour l'argent? Ils ont dit oui. Et ils ont dit que ce sont leurs parents qui les ont envoyés. Et le vieux a dit non, donc je vais parler à vos parents, comme ça je vais bien vous aider. Et le vieil homme a appelé Abidjan. Il a appelé leurs parents. Et leurs parents ont dit, donc je demande pardon avec Dieu. Ne les laisse pas toucher ce lieu. Attrape-les pour nous. Et ils ont dû envoyer un transfert Orange Money pour les faire revenir à Abidjan. Ce sont des enfants. Regarde le genre de mentalité satanique qu'ils ont. Ils voulaient aller utiliser leurs parents pour faire de l'argent. Au lieu de penser à comment aller à l'école, comment avoir une éducation, comment faire dans la vie, l'idée qui est entrée dans leur pensée, c'est d'aller faire des médicaments pour l'argent. Donc vous voyez, le monde est déjà corrompu. That is why, as a Christian, et c'est pourquoi, en tant que chrétien, you have to educate your kids the way of God. Tu dois éduquer tes enfants selon le chemin de Dieu. Amen. Amen. Now, parce que la génération que nous sommes sur le point de confronter. Amen. Amen. Is a generation that is worse than Sodom and Gomorrah. C'est une génération qui est pire que Sodom et Gomorrah. Amen. Praise the name of Jesus. That's why everybody must, according to the prophet. C'est pourquoi chaque personne doit, selon le prophète, amen, amen, has the word of God, avoir la parole de Dieu and have the anointing, et avoir l'onction qui va soutenir cette personne. Amen. Amen. Because Jesus said, parce que Jésus a dit, all this thing you are seeing, toutes ces choses que vous voyez, is not the end. Ce n'est pas encore la fin. He said, not until the gospel be preached in everywhere of the end. Il a dit que tant que l'évangile n'est pas prêché partout sur la terre, the end will not come. La fin ne viendra pas. He said, what you are seeing now, il dit que ce que vous voyez maintenant is the beginning of sorrow. N'est que le début de la tristesse. My prayer for us, ma prière pour nous, my prayer for you, ma prière pour toi, that God should revive our spirit. C'est que Dieu réveille notre esprit. That God should anoint us with his word. Que Dieu nous oint de sa parole. That God should anoint us with his holy oil. Il nous oint de sa sainte huile. Like the tenth virgin. Comme les dix vierges. Amen. Amen. Like the five virgins. Comme les cinq vierges sages. Amen. They have the oil. Qui avait l'huile. And they have the lamp. Et qui avait une lampe. They have the Bible. Elles avaient la Bible. And they have the Holy Spirit. Elles avaient le Saint-Esprit. So people have the Bible. Certaines personnes ont la Bible. They don't have the Holy Spirit. Elles n'ont pas le Saint-Esprit. God will give the Holy Spirit. Dieu vous donnera le Saint-Esprit. That will teach you. Il va vous enseigner. That will open your eyes. Il va ouvrir vos yeux. That will enlighten you. Il va vous alerter. To understand that. Pour comprendre. That we are in the end time. Que nous sommes dans la fin des temps. God bless you. Dieu vous bénisse. Question. Question. I have 10 minutes left. J'ai 10 minutes. Question. Question. Oui, question Bible study. Question étudiant de la Bible. If there's anything I say or anything you are playing. S'il y a quelque chose que j'ai dit ou quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. We just have 10 minutes. Nous avons tout juste 10 minutes. Oui, papa. Testimony God see the Russia. Témoignage dans les livres de service d'or. Voilà, ici. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, que cela ne vient pas du coup. C'est le don de Dieu. Maintenant, si tu veux comprendre, il dit c'est le don de Dieu. Donc, pour que quelqu'un soit sauvé, est-ce que c'est forcément un don de Dieu? Il dit ce n'est pas par vos œuvres, ce n'est pas parce que nous faisons.
le comment avoir ce don-là, bien nous sommes sur le ou bien pourquoi Dieu fait forcément ce don-là. Parce qu'après tous les efforts que nous faisons là, il faut que c'est la partie de nous, ce serait un domaine, et savoir pourquoi cela. Et vous pouvez se donner de Jésus. Amen, gloire au nom de Jésus. Dans ton affiché. Ça ne fait pas partie de notre thème. Bon, avance-moi la question. Mais je vais quand même répondre à cette question. In just one word. En juste une parole. Paul is talking in humility. Paul parle en toute humilité. Ça va? Paul is talking in humility. Paul parle en humilité. As a Christian. En tant que chrétien, we have to be in the spirit of humility all the time. Nous devons être toujours dans un esprit d'humilité. Paul said in one of his writings. Paul a écrit dans un de ses écrits. He said, I'll fight a good fight. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Then, well, how did he fight? Comment est-ce qu'il s'est battu? He did the work of God. Il a fait l'œuvre de Dieu. He fulfilled the law of God. Il a accompli la parole de Dieu. Il a prêché l'évangile. And he said, I'll fight a good fight. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. He said, now he remained a crown of glory. Il me reste maintenant la couronne de gloire. Praise the name of Jesus. So Paul is giving himself a award already. Donc Paul se donne à lui-même une récompense déjà. You understand that now? Tu comprends? Donc, dans ce verset où Paul parle, il parle à l'église des Éphésiens. No matter what you are doing for God, que peu importe ce que tu fais pour Dieu, don't say you are doing enough. Ne dis jamais que tu fais assez pour Dieu. See it as opportunity that God give you. Vois cela comme une opportunité que Dieu te donne to save you. Pour te sauver. That's what Paul is trying to say. C'est ce que Paul essaie de dire. Gloire au nom de Jésus. Amen. L'église des Corinthiens, they don't know God. Ne connaît pas Dieu. Praise the name of Jesus. So Paul has to adopt the system. Donc Paul a dû adopter le système. When you are reading the book of Paul, you have to be very careful. Lorsque vous lisez les écrits de Paul, vous devez faire très attention. The book of Paul is for intellectual people. Les livres de Paul sont pour des personnes intellectuelles. Ça va? Because Paul was a lawyer. Parce que Paul était un juriste. Amen. Amen. And before God calling. Et avant que Dieu ne l'appelle. He was the president of, the House of Assembly of those days. Il était président de l'Assemblée nationale. So he has a very deep knowledge. Il avait une très profonde connaissance. Ça va? Amen. So when he's writing. Donc lorsqu'il écrivait. Amen. He writes from his knowledge. Il a écrit à partir de ses connaissances. And someone is dealing with people. Donc quand il échange avec les gens, il comes down to their level. Il descend à leur niveau. To take them to his knowledge. Pour les amener à comprendre lui sa connaissance. Ça va? Amen. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. So all the writing of Paul is for intellectual people. Donc tous les écrits de Paul sont pour les personnes intellectuelles. If you want to be more intellectual, si tu veux être plus intellectuel, read all the book of Paul. Lis tous les livres de Paul. Often and often and often. Sans cesse. Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. You have an idea of intellectual. Tu auras une idée d'intellectuel. Ça va? Praise the name of Jesus. Gloire au nom de Jésus. Oui, Frère. Les jours seront abrégés. Parce que si ces jours ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. Donc pourquoi ces jours seront abrégés? Vous sauvez les enfants de Dieu. Donc, si ces jours se prolongeaient, donc les démons vont contaminer tous les enfants de Dieu. Au jour du jugement, tout le monde sera condamné. Donc, si Dieu parle, c'est là que nous. Abrégés. Les jours seront réduits. Short the days of Jesus. Tu es un très bon élève. 24, 29.
24:22. Okay, and I stopped the day short. I stopped the day should be short. There should be no finish to be seen. But for the elect, those days should be shorter. Amen. Amen. Praise the name of Jesus. Glory to Jesus. Now, what's your question? Maintenant, quelle est ta question? Okay, now let us go to verse 21. Maintenant, allons-y au verset 21. Let's read verse 21. Allons-y au verset 21. For there should be great tribulation, such as was noted since the beginning of the world to the time now. None should be. Verse 22. Verse 23. Verset 23. If any man should say unto you, Lord, he is Christ, or death, believe not. Amen. Amen. Praise God. Amen. 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 What the Bible is trying to say here? Ce que la Bible essaie de dire ici. Is trying to tell us. Elle essaie de nous dire. That if the elect is wise. Si les élus étaient sages. Amen. S'ils sont sages. If the elect is wise. Si les élus sont sages. Who is the elect? Qui sont les élus? The bride of God. Ce sont les fiancés de Dieu. Amen. Amen. And don't forget. Et n'oubliez pas. Jesus told them. Jésus leur a dit. That the world will not end. Que le monde ne va pas finir. Not until this gospel is being preached all over the earth. Donc cet évangile n'a pas traversé le monde entier. So Jesus is telling them. Donc Jésus leur dit. If we are wise, we the elect. Si nous sommes sages, nous les élus. What we'll do? Ce que nous allons faire. We'll pray for the day to be short. Nous allons prier pour que ces jours soient raccourcis. What that's supposed to mean? Et qu'est-ce que cela signifie? Notice to take the body. Cela veut dire qu'on prend le fardeau. To enter the market. Pour entrer au marché. Enter the hospital. Dans les hôpitaux. Enter prison. Dans les prisons. Enter everywhere. Partout. To win souls for Jesus. Pour gagner des âmes pour Jésus. So that Jesus will come in time. Comme ça, Jésus va vite venir. So that we'll not experience those tribulations. Pour ne pas qu'on expérimente cette tribulation dont la Bible parle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? La parole de Dieu est intéressante. Acclamons pour Jésus. Amen. Amen. My time is up. Mon temps est fini. Deux questions. Ok. Deux questions comme ça. Je vous dis, je vous dis, garçon et puis femme. Je vais prendre une dernière question. Oui. Next week, I'll answer your question. La semaine prochaine, je vais répondre à votre question. J'ai tout juste deux minutes, s'il te plaît. Parce que Dieu, il ne parle pas vain. Quand il dit quelque chose,
Il dit ça pour la première fois, il dit ça pour une fois de bon cœur, les enfants de Dieu les mettent en pratique. Mais si on le met en pratique aujourd'hui, demain, on les laisse, on les devient des folles. On n'aura jamais l'huile dans notre lampe. On n'aura jamais l'huile réserve dans notre lampe. On ne se prépare pas. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Oui. Elle a demandé pour nous les chrétiens, parce que les cinq vierges qui étaient sages avaient la lampe de plus. Elle a demandé à notre temps, nous on a besoin de quoi? Quand le pasteur prêchait, il avait nous répondu à la question que je vais nous poser. Il a dit qu'aujourd'hui, la lampe c'est la vie et l'huile c'est le Saint-Esprit. Donc c'est de tout ça qu'on a besoin. On a besoin de la Bible et du Saint-Esprit. La Bible pour nous enseigner la parole, le Saint-Esprit pour nous diriger, pour réfléchir à notre vie. Parce qu'il y a des études que tu veux faire, ça tu ne connais pas, tu dis que c'est tout bien m'aider. Donc on a besoin de la Bible et du Saint-Esprit. Et let us clap for you. Acclamez pour Jésus. God bless you. Okay, 2 minutes. 2 minutes. We are fair, 2 minutes. Let me hear your voice. Je crois, je t'aime. Oui. J'aimerais bien la cette l'arrivée de Jésus. Parce que nous, il ne faut pas dire non. J'ai tout le temps parce que je suis Jésus. Donc, j'ai le temps de m'amuser un peu. Venez un peu, lisez un peu, jouez un peu. Mm-hmm. Donc c'est dans ça, ils avaient une discipline et une talent de Dieu. Amen. Let's talk about Jesus. Amen. Amen. Praise God, Jesus. Glory to Jesus. Be like the wise virgin. Soyez comme les vierges sages. Amen. All your hands for prayer, let us pray. On va baisser la tête sur la prière, prions. Amen. Amen. All your hands for prayer, let us pray. Baissez la tête sur la prière, on va prier. Father, we thank you. Père, nous disons merci. We give you all the glory. Nous te rendons toute la gloire. We bless your name this morning. Nous bénissons ton nom ce matin. We lift up your name this morning. Nous élevons ton nom ce matin. We thank you because you are good. Nous te disons merci parce que tu es bon. We thank you because you are kind. Nous te disons merci parce que tu es bon. Thank you for what you are going to do. Merci pour ce que tu vas faire. Let this word not stand against us. Que ta parole ne se tienne pas contre nous. Let this word deliver us, Lord. Mais qu'elle nous délivre. Father, refill our oil, O Lord God. Père, rafraîchis notre huile. Increase our lamp, O Lord God. Agrandis notre langue. Give us understanding. Donne-nous la compréhension. Give us revelation. Donne-nous la révélation. Of your coming, O Lord God. De ta venue. And when you will come, O Lord God. Et lorsque tu viendras, Seigneur. We will not miss you, O Lord God. Nous n'allons pas te manquer. So shall it be. Ainsi soit-il.